pour que vous sachiez c'est qui un petit peu. Alors, elle, c'est Alix. Voilà, elle est super mignonne. C'est la meuf de Gordon Freeman. Elle est. Oh, voilà. Casse-toi de mon cache-cache. Sinon, bienvenue dans un nouveau cache-cache pour les abonnés qui comprennent pas. Aujourd'hui, on n'est pas sur GTA, du coup, on est sur Gmod, un tout nouveau jeu que vous connaissez pas. Et vous verrez un peu ce que ça donne. Et ils connaissent peut-être, hein, mais... Non, il y en a beaucoup qui connaissent pas. De toute façon, vous verrez à peu près comment on joue. Tout le monde connaît Gmod. Non, ils connaissent pas, c'est des fous qui regardent que du GTA. Vous direz dans les commentaires si vous connaissez ou pas, de toute façon. Bon, on est sur une immense map d'une maison trop stylée avec plein de jardins, plein de cachettes et tout. Vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Bref, et du coup, moi, je vais devoir les chercher. Et j'aurai une arme assez spéciale que je vais leur montrer tout de suite. Ce sera ça. Mais non, je suis là. Oh là là, cette arme, elle est dangereuse. C'est encore moi. En gros, je pourrais faire ce que je veux avec eux là. Voici, il ne peut rien faire, ne peut pas bouger et je peux pas le défriser. C'est bien, au moins, comme ça, il fait un exemple quoi. Voilà, ça c'est l'exemple. Et quand je trouverai quelqu'un, ça donnera ça. Bref, voilà, vous avez vu ce que ça faisait comme arme. Eh, tu me trouveras jamais, mais tu me trouveras tellement jamais, tellement j'ai. Je suis le meilleur au cache-cache, j'ai la meilleure. Je suis arrogant. Ouais, c'est ça, je suis ta bille de blanc. Stop, mais putain. Tu vas te taire, ok? T'es mon esclave. Ça fait du bien de voir quand il nous frise carrément. Ça fait du bien. Je vais coller son cadavre là. Attends, on va faire des espérances, je vais mettre du C4, attends. Vas-y, viens, il fait péter. T'es prêt, vas-y, fais le compte à rebours. 3, 2, 1. Ok. Voilà, le cache-cache a commencé. Attends. Oh, Wassim. Oh, mais t'es un enculé, mais putain. Oh, mais l'enfant, oh, il a freeze coco. Parce que hein, vous avez rigolé tout à l'heure quand je me suis freeze, moi vous avez rigolé. Travers quoi? J'ai vu ce que t'avais fait spawn en fait. Oh merde. Mais arrête. Oh, putain. C'était mon clic, il a répliqué comme ça, c'était pas voulu du tout. Tuez-moi Fred, tuez-moi. Oh. Tuez-moi. Gueule. Oh, mais tu es coco. Tu es coco à la place. Il m'a stressé le mec, je suis dans les menus, tuez-moi. Tuez-moi. Ah, mais t'es un malade. Coucou, arrête. Le mec il va nous faire bugger la session. Eh, hey, ton flingue est trop stylé, Blackbear, qui despawn là. T'as vu? Je fais le bruit en plus. C'est carrément c'est le flingue de l'ordre. Ah, mais il découvre un peu. Du coup, les abonnés savent qu'on peut faire spawn ce qu'on veut. Hop. Regarde, Wassim. C'est trop marrant avec ton truc. Coucou, tu fais quoi? C'est quoi ça? C'est quoi qui fait du bruit? J'ai fait une What the Il fuck a fait une bêtise. Non. What the fuck. Pour une fête privée. What? J'en ai peut-être mis un peu trop les mecs. Je vois la fête. Non, ouvre pas. Ah mais non, ferme vite. Comment on ferme? J'ai refermé, Fermez tous la porte. N'ouvrez cette porte sous aucun prétexte. Arrête. Non. C'est le bordel, j'enlève tout. Oh, stop. Hey, c'était tellement stylé carrément ce qu'il a fait. Bon, mais vous pouvez partir en fait. Fred, viens. Non. Il a dit non. Non. Non mais moi je dois pas viser avec vous, putain. Allez, à tout à l'heure. Au revoir. Viens Wassim, on y va. Attends un peu Wassim. Par là Wassim, c'est par là. Ok Wassim, c'est pas la meilleure cachette du monde. Ah si, honnêtement, pas mal. Ah honnêtement, je suis sûr que Blackbird la connaît. Parce que il est cheaté, voilà, lui est cheaté en fait. Mais non, t'inquiète. Pourquoi il veut pas descendre? C'était réel. Ah, oh le poison. Mais vous, ah tu m'énerves. Viens. T'aurais jamais dû le prendre mec, t'aurais jamais dû accepter. Oh, il m'a énervé. T'aurais jamais dû accepter. Ah, le poulet quoi, putain. Ouais, c'est bon les gars, on y va là, oh. Je peux y aller? Ouais, on peut, ouais, tu peux, let's go. C'est parti. J'arrive les gars, préparez-vous. Vous êtes dans la maison, hein? Ouais. Alors, ici. Why? Ok, il y a une téléca spawn. C'est quoi ce bruit? C'était mon portable. T'as cru que c'était dans le Garry's Mod? Genre, y a un mec qui joue de la musique dans la maison. Y'a personne dans le frigo. J'entends des portes s'ouvrir partout là. Ouais, c'est moi en bas dans la cuisine, je regarde, je fouille. Ah! Y'a la porte du sol qui est ouverte. Ouah, y'a un zombie! Ah. Non, viens, moi aussi. Oh, t'imagines un mec qui a fait spawn des zombies pour le protéger? Il y avait un zombie dedans! T'as pensé à ce que j'ai pensé là? Oui, moi aussi, je. Il y a un truc super marrant qui s'est passé là. Quelqu'un fait spawn un zombie pour le protéger ou je rêve? Non, il y avait un zombie dans une porte. Oui, c'est moi, ça fait partie de mes blagues. J'ai mis quelques farces. Ah, mais c'est extrêmement marrant, bien joué. J'ai mis quelques farces et attrapes dans certains placards. Ouais. Genre farces et attrapes. Ah. Il sent d'humeur farceuse le mec. Ah, là, j'ai vu un truc. Là, il y a des trucs qui sortent de l'armoire là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il m'a mis? Bam, il a foutu des zombies partout ce con là, crève enculé de zombies. Voici, fais plus de bruit, change plus d'armes, fais plus rien, on sait jamais. Ok, s'il y a rien. Ok, c'est quoi ça dans la salle de bain?
Oh, il y a un gros truc de merde sur le plafond. Je vais le buter. Oh. Mais Ganginou, ce malade, il a fait spawn n'importe quoi. Oh, Coco, je vois tes cheveux de l'autre côté. Bah, comment ça? Franchement, je t'ai dit. Attends. Attends, bouge, Coco, deux secondes. Je bouge, là, je bouge, là. Ah, je vois, mais je vois tes cheveux. Ce truc blanc, là. Attends, mais on peut pas aller de l'autre côté, de toute façon. Il est sur la terrasse, il est sur la terrasse. J'entends quelque chose. J'ai une porte s'ouvrir, j'ai peur. Ok, je monte à l'étage, j'ai monté d'un niveau. Y'a rien ici. Je suis sûr qu'ils sont vers ici, ces enculés, là. Il a mis des trucs partout, ce malade. Y'a des pigeons, y'a des mouettes et des pigeons. C'est n'importe quoi, mec, t'as mis n'importe quoi dans ce cache-cache. Blackbird a catané tout. Surprise. Merci d'avoir rigolé, carrément. Est-ce que vous êtes là? Non, ils sont pas là. Ok, y'a quoi là? Ok, c'est des chaussures. J'ai eu peur. J'ai cru que c'était encore une de ces farces à trappe. Mais vous êtes où en fait? Vous êtes pas dans la maison, c'est pas possible. Ah oui, Théo, t'as eu peur tout à l'heure là. Oui. Je suis allé voir discret, moi, genre, je suis allé voir tout. Ah, mais je sais où il est, Coco! Je sais! Coco il est là, Coco il est là, il a fait spawn au taquet de trucs, il est là. Coco sort, je sais que t'es là. Ah, je suis pas là. Coco, je despawn des trucs là. Sors. T'as pas le droit, t'as pas le droit ça. Sors. T'as pas le droit. Sors. Il est là. Attends. Ok, attends. Tu vas m'aider, sale malade, ok. Vas-y, je t'aide. Vas-y, notre cachet était tellement bien que vous devez nous chercher à deux, carrément. Même à deux, je pense pas que vous nous trouverez, franchement. Okay. Allez, c'est parti. Let's go, viens, Coco, suis-moi. Ça va être un vrai challenge pour vous de nous trouver. Hein. Mais t'as cheaté un peu, non? T'as fait... Non, aucun cheat. Aucune douille, rien du tout. C'est purement légitime. Blackburn, en fait, c'est parce que t'as vu mes jeux, avoue, que tu m'as trouvé. Bah, en fait, oui, mais j'ai pensé qu'à la fin, qu'en fait, il y avait de l'autre côté du mur, c'était le garage. Bah, bientôt, les gars, vous allez donner des indices un peu. Hein. Ouais, t'inquiète, on donnera des indices en temps voulu. Théo, arrête de fou qu'on suit. Ah, t'es là. Je suis revenu, on était tout à l'heure. Là où ils étaient tout à l'heure. Vous êtes dans la maison. Oui. What, c'est quoi ça? T'as vu? Je suis tombé sur ça depuis tout à l'heure. Je tombe sur des monstres dans tous les sens, mec. Ça fait flipper. Moi aussi. Coco, t'es où? Coco, t'es où? Coco, t'es où? Coco, t'es où? Ils sont... Je sais pas. Moi, je dis pénombre. Pénombre? Ah non, attends, ils sont en minuscules. Non, on fera pas ça, jamais. Ok, alors, bah vous êtes pas dans la salle de bain en tout cas. Ah, peut-être que si, je sais pas, on va chercher. Ah, j'entends les bruits de porte, ça me stresse tellement. Je me casse, mais tellement t'es au suivant. Suis-moi. Ils sont partis. Mais je sais pas comment ils peuvent partir. Mais c'est sûr, ils racontent de la merde depuis tout à l'heure. Les gars, cherchez pas, j'ai trouvé la meilleure cachette de l'univers. On remonte, Coco. Oh putain, j'ai trouvé Wassim. Quoi? C'était une boutade. Ah mais ouais, il m'a fait peur, j'ai vraiment cru qu'il l'avait vu. Attends, j'imagine qu'ils sont dans l'armoire là. Mais non, j'ai déjà fouillé. Aussi, viens, wesh. Attends, viens, on descend. Ils se foutent de notre gueule, ils sont pas dans la maison. Après, on a tout à fait le droit de mentir. Hein. On peut peut-être être dans le jardin. Voici, m'arrête. Bouge pas, ils peuvent nous entendre, on sait jamais. Mais c'est des ouf, c'est des ouf. Vous êtes tout, bande de bâtards, va. Blackbird, si tu nous trouves pas, moi je serai sacré le meilleur joueur cache-cache du monde. Et voici mon fidèle acolyte sera également sacré meilleur joueur cache-cache du monde. Et tu n'auras plus le droit de faire des vidéos cache-cache sur ta chaîne. Si tu ne trouves pas. Oh, ouais. Paris relevé. Non, Paris jamais relevé d'elle. Oh! Ok, ouais, c'est des problèmes graphiques. J'ai cru une illumination carrément, mais que dalle, c'était du gros mytho. J'allais voir dans les buissons. Alors. Mais c'est une blague, comment on peut pas les voir? Eh gros, on a la meilleure cachette du monde, de l'univers. Tu vois, t'as vraiment une cachette bien que j'ai. Même moi, je savais pas qu'elle existait du coup. Ah oui. Voilà, bah c'est la cachette ultime de cette map. Cachette secrète de malade, voilà. Je fous trop carrément, je fous vraiment trop. J'ai jamais fouillé autant cette map. Même moi là, je fouille trop là. Parce que je comprends vraiment pas où ils peuvent être. C'est la cachette ultime, mec. Je me rappelle d'un truc, attends, faut que je me rappelle des souvenirs. Il y a très longtemps en fait, Ganginou à un moment il a dit Wassim, Wassim, dégage. Et à un moment, j'étais passé, j'ai vu Wassim passer quelque part. Donc c'est sûr que t'es dans cette zone là. Au début. J'arrive. Je suis là, Fred. Viens, faut passer par là. Et j'ai un flashback, j'ai pas vu la cachette de Ganginou, mais j'ai vu Wassim courir vers là. Donc, ils sont dans cette zone. J'y suis allé tout à l'heure, ici, j'ai fouillé là. Oui, mais oui, mais il faut, dans cette zone là, fouiller vraiment. Il part en embrouille, comment ça? Là, tu vois, faut vraiment beaucoup fouiller vers ici là. J'ai vu quelqu'un ici vers là. J'ai fouillé partout là, j'ai fouillé même les buissons ici, y'a rien, que dalle. Attends. Peut-être qu'il était dans la maison, il est sorti. Eh mec, on va vous trouver carrément, je vais me faire un plaisir. Ah mais je vais vous brûler carrément, je vais vous cramer mec, je vais tirer une bombe nucléaire. Blackbird, t'es où? Blackbird, viens quelque part. Ouh, attends. Viens quelque part, viens, au sous-sol. J'arrive mec, mais j'ai déjà fouillé le sous-sol.
T'es sûr? Attends, je suis au sol là, je suis jamais venu moi. Oui, là y'a rien. Y'a un lit? Je sais. C'est moi. Il a flippé. Tu m'as tellement fait peur, mec. je me retourne, je vois un requin carrément. Oh, j'ai tellement flippé quand je suis descendu à la cave tout seul et tout, c'était tellement flippant. Ouais, ça avait flippé. Ah, je pensais tellement les trouver là, ces bâtards. J'ai fouillé partout. Honnêtement, j'ai fouillé tous les endroits que je connaissais du jeu, de cette map, j'ai fouillé. Vas-y, bah, vous avez commencé les indices, les gars. Ma bite. Oh, ma bite, mais. Ma bite. Mais tellement ma bite, putain. Ouf. Arrêtez de faire des ouf pendant culé, c'est très mieux. J'ai entendu un pompe, je dis ça, je dis rien. N'importe quoi. Ah, la situation me tue, putain. Ils sont dans la pénombre, c'est sûr, parce qu'ils l'ont dit tout à l'heure plusieurs fois. Mais ils sont dans un truc caché, genre accroupi à deux. Ici, j'ai pas fouillé. Ok, ils sont pas là. Putain, mais. Ah, ça me. C'est saoulant carrément, ça me casse les couilles. Je sais qu'ils sont à l'étage carrément, il a pas fait spawn tout ça pour rien. Oui, bien tout, ouf tout. Tout ce que tu peux ouvrir, ouvre. Fais vraiment. J'ai ouvert tout ce que je pouvais ouvrir. Deuxième indice, on est dans la maison, pas dans le jardin. Voilà, tu peux oublier le jardin, on est dans la maison. Arrête, on sait très bien que c'est du mytho, tous ces trucs. Attends. J'ai trouvé une cachette de ouf là. J'ai trouvé un endroit carrément secret sous la map. Peut-être qu'ils sont là, ces bâtards. Non, sous la map secret. Fred, sale tricheur. Tricheur avec un grand T. Ils sont vers là. Ils sont où? Sous la main? Fred, tricheur avec un grand T. Ok, hey, Ganguinou, si je n'aurais pas fait ça, jamais j'aurais trouvé ça. Mais si, parce qu'on peut y accéder de manière légitime, sale tricheur. Mais grave, j'aime pas. Moi je dis, tu laisses Blackbird chercher et toi tu arrêtes. De manière légitime, c'est-à-dire qu'il y a un passage secret pour aller sous la map. Mais oui, mais là il a. Vraiment un sale tricheur. Mais maintenant que je vous ai toujours pas vu, arrêtez de parler. Le tricheur. C'est du mytho. C'est pas moi qui dois chercher, c'est Blackbird, on bat les couilles. Bon, allez, montrez-moi où vous êtes là, comme ça moi je. Non, ma bite. Il est vachement luisant ce string. Oh, je les ai trouvés, ils trichent. Et comment ça on triche? Est-ce que c'est attends, vrai? Attends, Fred. Alors déjà, attends, là je vais dire un truc qui c'est peut que contrer ton argument. Mais non! Attends. Alors déjà je te tue parce que là, cette réaction là, a été tellement prévisible et non, je vais dire un truc. Là, voici, moi faire un truc. Attends, laisse-moi parler, Fred. Tu n'as pas le droit, je t'interdis, mais de manière ultime, de dire qu'on est des tricheurs. Alors, en fait, on s'est mis petit, mais c'est parce qu'en fait, moi, mon perso, sa tête, elle dépasse du mur et j'ai pas eu le choix. Et genre, le fait qu'on soit mis petit n'a rien changé parce que ça ne change rien et en fait, au final, c'est toi qui as triché pour nous trouver et heureusement qu'on était petit. Parce que sinon tu nous aurais vu à cause de ta triche, donc en fait tu peux rien dire. Ok, bah je vais dire un truc maintenant, même si Blackbird serait passé par là, il vous aurait pas vu, bande de tricheurs de merde. Voilà. Non, mais tu peux pas dire ça. J'avais prévu que si Blackbird venait, et ben je me remettrais grand pour pas qu'on me dise que je triche, tu vois. Bah continue, ok. Bah si sincèrement t'as prévu ça, ok, continue. Oui, mais carrément, on est sur cette touche depuis tout à l'heure. Hein. Et bande de bâtards, en fait, vous me voyez depuis tout à l'heure, je passais, et c'était tout petit, bande de culé. Ouais. C'est relou, ça change rien, c'est relou. Je veux pas, voilà, mais j'en ai marre, je cherche depuis 3 heures. Donnez-moi un indice sur la map, s'il vous plaît, moi un indice. On est dans le noir. Non, mais dans le noir, c'est de la bite, carrément, parce que vous avez fait des trucs minuscules, je sais pas quoi, je peux pas vous trouver autrement. Bon, vas-y, dis-leur un gros indice quand même, un petit gros indice. Ok, passage secret et Non, mais avec ce que Fred a dit, il y a des indices de psychopathe, hein, je crois pas. Passage secret. T'as tellement des indices de malade carrément via Fred. Mais je fouille tout, le sol et tout, je fouille partout, mec, laisse tomber. Wassim, viens. Allez, Blackbird, je suis là, Blackbird. Ok, Coco, dis-moi à peu près où ils sont. Je les ai vus, voilà, je sais où ils sont, mais je peux pas. Attends, là, on est là, Fred, on spawn ici. Non, mais Blackbird, en fait, faut que je comprenne un truc. En continuant comme ça, tu n'arriveras jamais à les trouver. Eh, Blackbird, comme ça, même je peux tout dire là, direction, tu n'arriveras pas à les trouver. Faut que tu penses différemment. Ganguinou, il y a qu'un passage pour entrer là-bas où vous êtes là. Il y en a un et il est légitime. Tu peux rentrer sans cheater par là. Oui, il y a vraiment. Bah maintenant, faut vous donner des indices. Où est la cachette, okay, putain? Okay. Indice ultime. Le passage ne ressemble pas à une entrée. Voilà, ça ne ressemble pas. De base, quand tu vois, tu te dis pas, oh non, je peux rentrer normal là-dedans. Quoi. Tu penses pas à interagir avec ça. Voilà. Là, maintenant, faut que tu trouves le passage pour les trouver. Ça n'arrive jamais. L'endroit n'est pas. Est-ce que ce serait un robinet avec quoi interagir? Non. Ok, je vais de temps en temps tirer pour. Mais je vous ai entendu tirer, vous tiriez sous la maison en fait, quasiment. T'as tiré, retire pour voir. Je ne tirerai plus. Vous avez tiré, vous êtes trop loin, carrément, ils sont vers là. Blackbird, carrément, je te vois de là où t'es, je te vois, pour te dire, je te vois. C'est pas possible. Moi, tu veux. Okay, Oh. Un de mytho de merde. Oh, tu t'es froid là, tu t'es barré, on te. Oh. Alors ça, c'est bâtard.
Ça, monsieur. Vous êtes où ? Ça, monsieur, j'accepte pas. Ok, avance tout droit. Mais écoute, l'indice qui t'a dit que des passages ne ressemblent pas à des passages vraiment. Là, il est rentré dans la maison, là. Ouh là là. Okay. Ouh. Il est pas très loin, là. Oh, là, il est. Ah, il est vraiment. Waouh. Ah, là, je sens son haleine de requin, vraiment. Vraiment pas loin, quoi. C'est où je suis, là ? Là, il tape sur la table, voilà, il est content. Enculé de merde. Enculé de merde, putain. Ah, oh, il est rentré dans l'armoire. Mais ils sont sous la maison carrément, c'est... Ils vont te faire tourner en pendant 1000 ans, mais... Oui, c'est trop, là, c'est horrible. J'ai dit, soit ils donnent des trucs, ou soit ils font chauffer. Oui, mais on avait trop d'indices, honnêtement. Tu nous as dit ce qu'on a donné, carrément. Bon, dernier indice, c'est le dernier que je donnerai, et c'est un indice ultime. Regarde à tes pieds. Je ne peux pas donner meilleur indice, carrément. Là, c'est vraiment, regarde au sol. Voilà, bah, en gros, je pense que ça doit être une sorte de trappe. Oui, dans la maison, au sol, ok, mais d'accord. Il y a un journal, là, mais c'est pas ça, là. C'est pas cette merde. Oh, joli pied, dis-moi. En gros, ouais, voilà, regarde à tes pieds, voilà. Je ne dirai plus d'indice à partir de maintenant. Vous êtes rentré par le trou des toilettes ? Y'a rien ! Blackbird, j'ai une question. Est-ce que tu me crois si je te dis qu'on a réussi à emprunter un passage qui nous a fait atteindre une cité dans les nuages, une cité perdue, voilà. Est-ce que tu me crois ? Je sens que c'est du gros bullshit de merde et tu te racontes de la merde. Y a rien au sol dans cette putain de maison au rez-de-chaussée. Bon, ça ressemble pas. Non mais Gangui, dis du chaud ou froid par rapport à la trappe parce que là c'est infini. Oh. Là, c'est... Ah, ok, par rapport à la trappe, ok. On passe en mode chaud-froid, attention. Par rapport à la trappe, c'est froid. Dites-moi ! Il va devenir fou à chercher. je deviens vraiment fou là. En plus c'était sa map et tout qu'il a lui-même. Mais tellement, putain, mais tellement. Ok, ça ressemble pas à une trappe. Ça ressemble pas à une trappe. Rien ne ressemble à une trappe dans cette maison. Vas-y, me va le troller. Wassim ! C'est Coco, mais c'est Coco. Mais quel bouffon, bah putain, mais tu mérites de crever, ça l'enfoiré de merde. Comment t'as su que c'était moi ? Mais parce que en fait t'as un string noir et lui disait string rose et après j'ai vu ton pseudo s'afficher carrément. Ah Blackbird, t'as eu un moment de joie quand tu as trouvé quand même un peu genre. Ah mais je me suis dit oui en fait je l'ai trouvé. Tu vois j'aurais eu un petit doute, t'as la con en même temps, c'était bizarre. Même les abonnés en ont marre, je sais que vous en avez marre derrière l'écran, c'est pas de ma faute, c'est pas voulu. Attendez, carrément, je vais respecter ce que vous faites. Est-ce que vous l'aidez vraiment ? Parce que là, j'ai pas l'impression. Carrément, j'ai vu Ganginou recroqueviller carrément dans la pénombre. Wassim qui était là-bas. J'avais dit de le tuer, Wassim, c'est un poison. Ok, Coco. Pourquoi tu sors de là, Coco ? Coco, il est sorti, il m'a fixé, genre. Mais c'est là ! Mais putain, je le savais ! Ah, mais putain, c'est pas du tout dans la maison, bande d'enculés. Bon, je vais donner des signes et des mains à Blackbird. Vas-y. J'arrivais plus à faire. Coco, il m'aide, genre. Il tire, je les entends tirer. Bon, non, hey, Blackbird, à toi de jouer dans cette pièce. Voilà, là je fais plus rien. Allez, cherche partout. Là c'est stylé carrément. Allez, cherche partout. Trop d'indices, tu l'indices, voilà. Tiens, prends ça. Ouais, non, mais là c'est vraiment stylé ce qu'il fait là. Là il cherche vraiment partout dans la pièce là. Mais sincèrement, les gars, si j'aurais pas dit la pièce, mais il aurait jamais trouvé. Déjà, même avec la pièce, il galère. Même avec la pièce, il galère, les gars. Je kiffe ça. Comment tu veux que je trouve ? C'est pas le tapis. C'est pas ça là. Mais Fred, tu le balances là. Non, je fais rien. Ah putain ! Enfin ! Mon enculé ! Attendez, je veux voir. Mais je veux voir. Vous ne passerez pas, voici, mets des pièges, go. Ah mais putain, mais mec, c'est impossible à trouver carrément. C'est impossible à trouver. Ok. Blackbird, sincèrement, fais un petit commentaire là. C'est impossible, honnêtement impossible. Ça ressemble pas à une trappe, je suis d'accord, mais ça se voit pas qu'on peut ouvrir ça, c'est pas possible. C'était un putain de tapis pixelisé, comment on peut trouver ça? Surtout qu'il était aussi petit que le sol, le tapis, genre aussi fin, c'est impossible. Ok, j'y vais en mode aventurier. Ah! Je suis en minuscule, les gars, ça me fait peur. Il y a une grosse bestiole dégueulasse là. Putain, mais il y a un sous-sol. Ah, il y a une sortie là-bas. Coco, fais gaffe, il y a des trucs, les gars. Attends, je rentre dans la pièce, j'allume la lumière, je vois des araignées. Ça va tellement fou. Eh, ça fait trop peur. Eh, putain, ouais, ça fait vraiment trop peur, carrément. Il y a une autre trappe, ok, il y a une autre trappe dans le garage. On s'est barré, nous. Vous êtes. Ok, bah, je prends le freeze gun, carrément, vous allez casser les couilles. Je suis sur l'extérieur. Il y a trop gros blanc, ok. Allez, nique ta mère. Aïe, merde. Allez, nique ta mère, carrément. J'ai trop de choisir mes armes, j'ai pas du tout. Tu vas bien venir, je vais te violer, carrément. Je vais te dire. Foiré de merde, là. Wassim, j'ai ton copain. Je prends pas du coup. Tout ça parce que j'ai voulu faire mec fair play à pas me mettre en minuscule comme lui. Ah, il me saoule. Ah, ils sont chiants, carrément. Je suis mal à l'aise. Je suis mal. J'ai chaud dans mon pull. J'ai enlevé mes chaussettes tout à l'heure, mais j'ai quand même chaud. J'ai envie d'enlever tous mes habits et de me casser.
Et cette map, j'y retournerai plus jamais, elle m'a saoulé. Putain, mais c'est fou, ils ont trouvé carrément une trappe de malade que j'avais même pas vue. Voici une troll-le un peu, vas-y, va à côté de lui, je sais pas. Ok, je l'ai vu. Il s'est TP, mais il s'est TP. Wassim, tu t'es TP, t'es un bâtard, tu triches. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Ferme. Casse-toi et ferme. Ok. J'ai trouvé, je sais. Casse-toi. Je reste là. Je reste là. Mais non. Pas à côté, je reste là. Je reste juste en bas. Oh merde. Déjà toi, Wassim, j'ai rien. Il est où? Dis-moi. Ok, Wassim, congelé, bon, bah les couilles. Viens là, enculé. Viens là, enfoiré. Wassim, il veut pas se congeler. Il veut me tuer. Oh, je vais t'emmener voir Coco. Et ça finit en beauté. Quel magnifique cache-cache. Bien joué, les gars, merci. La gueule, assure défrise-moi, tu vois. Non. Oui, défrise-moi, moi aussi. Non, tellement pas. Attends, j'ai quoi qui dit? J'arrive, les gars. Voilà, coucou les copains. Il nous a rangé. Voilà, le cache-cache est fini, au revoir tout le monde. Au revoir, merci d'avoir regardé, c'était vraiment cool. Et n'oubliez pas de liker, de commenter et tout le reste. Quoi. Notifié. Et surtout, c'est très important, mettez la notif aux vidéos. Au revoir les abonnés, au revoir tout le monde. Salut. Au revoir. Ouais. Triple 2 par 3, le béton fait le mort, skiff de peu le partage. J'ai vu un zombie fumer pire, crack poudre, caillou magique, espérant trouver les cristal boules. Gars à ceux qui méprisent la foudre, ma bouche crache des flammes que leur méprime par poids. Tant que le prisme m'approuve, je suis le même, tant que j'écris, ça sent le shit, la couche. Vis-à-vis avec le mal, en près de toi, t'as un projet pour ton voisin, tu vas ramasser le cash. Dynastie de rois et de voleurs, fais le pacte.